Pleure son fils, parti chercher la vie, oh elle prie pour lui, hey, 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 elle pense à lui, plutôt faut qu'il réussisse, oh elle prie pour lui, hey, 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 ça fait longtemps déjà. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, cette vidéo là, c'est pas pour rire, c'est vraiment pas pour rire. Il y a peut-être certains qui seront fâchés, mais je vais simplement vous dire la vérité pour vous inciter encore plus à vous manifester pour l'album de votre artiste. Bien que vous passez votre temps à dénigrer des Bordeaux Likoufa, à vouloir le rabaisser et tout ça, moi je suis pas dans cet esprit là. Donc je vais venir vous révéler certaines choses qui doivent vous interpeller. Arrêtez d'être des fans de réseaux sociaux. Arrêtez d'être des fans commentateurs. Arrêtez d'être des fans qui passent le temps à insulter. Voilà, l'œil n'est plus à la rigolade. C'est pas de ça que Didier Arafat a besoin. Voilà. Donc écoutez bien cette vidéo-là. C'est pas des vidéos de à 5 francs, amusement, où il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Non, non, non. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Oui, il y a des révélations à faire sur l'album de Didier Arafat. Et j'espère que ça va vous aider à vraiment vous bouger. Bouger le petit cul pour votre artiste Didier Arafat. Voilà. Mais bien avant de commencer sur vous, je vais faire deux petits débriefs. Voilà, je vais ouvrir deux petites parenthèses là. Et puis après, je vais commencer les révélations dont je suis venu faire dans cette vidéo là. Le premier point, c'est Serge Benoît. On me dit que Serge Benoît avait sorti son album il y a longtemps, que l'album est déjà mort. Il y a certains qui disent que c'est maintenant que je vais parler de l'album. Moi, quand je parle là, je parle en français. Prenez la peine de bien écouter ce que je dis. Je parle en français. J'ai dit, et je répète, à cause des clashs inutiles, à cause des discords entre nos artistes, on n'a même pas pris le soin de soutenir cet album-là aussi, qui est l'album d'un artiste coupé décalé, qui est en plus ivoirien, qui s'agit bien de Serge Benoît. Voilà ce que j'ai dit. Donc si je parle de l'album maintenant, c'est parce que je suis dans un bon état d'esprit et je suis dans un nouveau état d'esprit, un esprit de réconciliation, d'union. Donc veuillez vraiment m'excuser si vous ne comprenez pas mon langage, ok? Voilà, voilà ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Et une autre chose, pour ceux qui disent qu'on doit parler seulement que de l'album de Didier Arafat, que l'album de Serge Benoît est mort et tout ça, je ne sais pas ce que vous dites en fait, je ne sais pas comment vous réfléchissez. Je ne sais pas si c'est parce que vous pensez que c'est Didier Arafat qui est le seul artiste de la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas dans cet esprit-là. Je soutiens toujours l'album de Didier Arafat et je vais continuer à le soutenir. Mais en même temps, je suis en train de vous dire, vous, qui voulez que Didier Arafat ait son dictateur. Benoît est proche de lui parce que Benoît a déjà vendu beaucoup, même s'il y a longtemps son album est sorti. Si nous tous, on se manifeste tous ensemble pour aller acheter l'album de Benoît, je pense qu'il pourra avoir son disque d'or aussi. Cela n'empêche pas que Didier Arafat ait son disque d'or. On parle en français, les amis. Hein? Ne m'obligez pas à être un peu désagréable parce que vous exagérez. On parle en français, je ne parle pas dans une autre langue. Alors, si vous ne comprenez pas le français, je suis pas anglophone. Voilà, je sais pas parler l'anglais. Donc faut arrêter. Parce que Serge Benoît a fait son album il y a longtemps, il n'a pas droit au disque d'or. C'est ça? Il faut arrêter. Voilà. Donc ceux qui pensent que Serge Benoît ne mérite pas ce disque d'or là, je ne suis pas avec vous. Voilà, moi je suis pour la musique ivoirienne. Merci. Cependant, on était tous là et on connaît tous la date de sortie de l'album de Didier Arafat. C'était le 28 décembre 2018. Donc après 3 jours, on était en 2019. Et ce que vous ne savez pas, c'est que le SNEP, le syndicat national des éditions phonographiques en France, a publié la liste des 200 albums. Je dis bien des 200, je n'ai pas dit des 10 ou des 5 albums, des 200 albums les plus vendus sur les plateformes payantes. L'album de notre Didier Arafat n'y figure pas. Pendant ce temps, vous passez votre temps à insulter, à dénigrer, à faire croire aux gens que tout va bien, oh rien ne va. Vous êtes au moins 4 millions de fans de Didier Arafat. Au moins. Et comme quoi, dans la première semaine où Didier Arafat était sorti, où l'album Renaissance de Didier Arafat était sorti, il était deuxième. Mais bon, de vous à moi, s'il était deuxième là-haut, pourquoi dans la liste des 200 albums les plus vendus, là, il n'y figure pas? Ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous dit rien.
on veut vous faire des vidéos pour vous interpeller, pour vous dire de ne pas voir le mal partout, de prendre peut-être nos vidéos même comme des sources de motivation pour vous battre encore plus que DJ Arafat. Vous passez tout votre temps dans une campagne de dénigrement, des jus. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je répète toujours pour dire que la musique ivoirienne n'a pas besoin de ça. Même au niveau de la stratégie de DJ Arafat, il vous dit encore une vérité qui va vous faire mal. C'est l'un des rares artistes que je connais qui, sur le digital, il offre 13 titres et sur le physique, 14 titres. J'ai jamais vu. Bon, on va dire que c'est une première, c'est son innovation. Mais c'est une mauvaise campagne. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? C'est que ça crée des frustrations au niveau de tes fans. Des fans ne peuvent pas avoir 13 titres sur le digital et d'autres qui veulent acheter le physique vont avoir 14 titres. Tu ne demanderas pas aussi à tes fans d'acheter et le digital et comment on dit ça, l'album physique. Mais bon, on dira que c'est ta stratégie. Je m'arrête là. Donc les amis, moi ce que je vais vous dire, c'est vraiment de vous bouger. Voilà, c'est vraiment de vous bouger. Par exemple, on parle d'un disque d'or. Il y a des personnes, vous prenez ça comme effet de mode ou bien nouveau langage, une nouvelle expression, disque d'or, mais vous ne faites rien pour ça. Vous pensez que c'est les vidéos à 2 balles là qui vont faire et puis DJ Arafat va recevoir son disque d'or? Le mec, il sait que dans la première semaine, les ventes physiques ont beaucoup bougé. Il a fait vidéo aussi pour dire, hey, les amis, continuez à acheter sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer. Il a fait vidéo directe, c'est au moins 2 ou 3 vidéos. Mais comme vous êtes que des fans qui ne savent qu'insulter, qui ne savent que rabaisser et rabouer, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez rien fait pour ça. Les amis, vous pouvez continuer à insulter, hein, mais moi je viens vous dire dans cette vidéo-là de vraiment bouger pour votre artiste, vous bouger pour votre album Renaissance, vous bouger pour DJ Arafat. Oui, les amis, moi je ne suis pas votre sorcier. Voilà, chacun sa préférence, mais si c'est pour se battre comme on peut pour que ce dernier-là ait son disque, on va le faire. Mais dans le même temps, ayez aussi de bons sentiments, hein, et de bonnes pensées pour Serge Beno. Parce que lui, c'est un artiste, il a un album qui est déjà sur le marché. Voilà, même si ça fait 100 ans sur les plateformes payantes, bien sûr, ça fait 100 ans que c'est disponible. 10 ans après, un disque d'or, c'est un disque d'or. Donc on peut se battre pour lui aussi. Voilà. Donc franchement, réveillez-vous. Moi, j'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si c'est des trucs qu'on ne peut pas déclarer à DJ Arafat, mais je ne peux pas concevoir que quelqu'un qui a été deuxième pendant près d'une semaine sur iTunes ne figure pas parmi les 200 albums les plus vendus. Et c'est le Snap. Le Snap, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, c'est pas n'importe qui. C'est une association française qui est chargée de défendre les droits de l'industrie française. Et ils sont actifs depuis 1922. Voilà, donc c'est pas de l'amusement. C'est des choses à prendre au sérieux. Voilà. Donc, Chinois, je viens par cette vidéo-là vous dire de vraiment vous bouger. Bougez-vous. Parce que pour l'instant, là, moi, je ne suis pas trop serein pour le Dixtor. Voilà. Il va l'avoir, hein, il va l'avoir. Mais je ne suis vraiment pas serein. Et si vous savez aussi, j'ai oublié de vous dire, j'avais manqué de vous dire, comme c'est une vidéo de révélation, j'essaie de tout dire en même temps. Vous trouvez normal que dans les FNAC en Europe, je ne l'ai pas dit même en France, il n'y a pas laissé les DJ Arafat. Est-ce que vous savez ça? Et ces fans de la France se plaignent, hein, ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des cartes bleues, d'avoir des comptes iTunes et consorts. Ils s'en plaignent. Parce qu'eux aussi voulaient payer l'album en physique. Quand vous voyez, famille, arrêtez un peu de marcher à reculons. Parce que vous n'arrangez pas DJ Arafat. Voilà. Vous n'arrangez pas DJ Arafat. Peut-être que il y a des gens qui se démettent pour acheter l'album. Mais votre vilain comportement est comme des embûches, quoi. À l'intention de ce disque d'or là. Donc il faut changer ça. Il faut vraiment changer ça. Moi, je sais de quoi je parle. L'album n'est même pas disponible à l'intérieur du pays. L'album n'est même pas disponible dans toutes les stations totales. Est-ce que vous savez ça? On a dit, nous a dit que l'album serait disponible sur toute l'étendue du territoire et dans toutes les stations totales. Quand on fait nos vidéos là, regardez au-delà de notre personne. Voilà. Vous voyez, moi je vous supporte toujours. Malgré que vous insultez mon artiste, malgré que vous vous moquez de lui, malgré que vous le rabaissez, moi je me bats. Pour que votre DJ Arafat ait son disque d'or. En tout cas,
prenez en compte toutes mes remarques. Hein. Et puis si vous voulez, demander à Didier Arafat. Partez faire vos recherches, vous allez voir. Partez faire vos recherches, vous allez voir. 200 albums. La première semaine de l'année 2019. Didier Arafat n'est pas dedans. Renaissance n'est pas dedans. Et donc son classement de deuxième, là, c'est quitté où? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Donc réveillez-vous, hein, mes amis, réveillez-vous. Voilà. Actuellement, on est en train de se battre pour un nouveau visage pour la musique ivoirienne. Et on va y arriver. On va y arriver. Moi, en tout cas, je vais continuer à promouvoir l'album. Et pour finir, Tirizo, voilà. Là, tu es mon frère saint. Donc, il ne peut jamais avoir de débattement zazen entre nous. Voilà. J'ai dit, au cas où les histoires de Ali le Code, Vitu Lulas, c'est trop. Moi, il fait box ties, ici prêt. Ici prêt à me là. Il veut recevoir quelques coups. Tant qu'il y a l'un dedans, ici prêt. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, bon, il peut te mousser, hein, il peut te mousser pour que tu t'en casses bouche de ce Vitu, de ce Tiesco là. Voilà, la Tiesco, nous tous, on en tasse sur toi. Hein. Faut choisir seulement. Même moi-même, je n'ai pas regretté. Voilà, ciao, ciao, les amis.